peu peur. Ouais, mais ça c'est drôle, j'aime bien cette ambiance un peu bizarre qu'il y a dans les musées. Arrête, j'aime pas ça. Ouais, t'es peureuse, Boubou, ça fait peur. Arrête, t'es pas drôle. Oh. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir touché cette boîte. Je sais que je n'aurais pas dû. On m'avait pourtant prévenue de ne pas la toucher. Et malheureusement, je l'ai ouverte et j'ai provoqué le sortilège. Je ne sais pas comment faire pour me sortir de là. Cette boîte m'a ensorcelée et depuis, je ne parle plus le français mais une langue totalement étrangère. Je suis bloquée dans ce musée. Est-ce que quelqu'un peut me délivrer et me sortir de ce piège? 19 août 1879. Drun. Deux, zéro,
Sylvamessa. Mais ça veut dire quoi, Sylvamessa? 206, le numéro de la page. C'est quoi ça? C'est un poème. Ah. Il nous demande de lire. Ouais, je crois. Le temps est venu pour toi d'être délivré de la poudre maléfique tu as goûté. Dans les méandres du temps, tu as été emprisonné. Tu sais maintenant qu'il faut se garder de pénétrer les secrets enfouis. Sois libéré de ce maléfice. Par ces mots, nous te délivrons des chaînes du passé qui aujourd'hui se brisent. C'est l'heure de suivre aujourd'hui. Et ça, je ne lâche pas, on vit les deux mondes où on est ça. C'est fait la mousse des rébellers. Il faut interdire les rébellers. Et ça, avec le Sophie, on nous en met sur. Et nos rires, les vieilles noires, du jour et mélange. J'ai vécu ici tout ce temps et vous êtes venu me délivrer. Je vous en suis très reconnaissant. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est quoi ton prénom? Cyprien. 1506? Ah ben non, je suis bête. Merci. Il est où? Je sais pas. Je crois qu'il est reparti. Ouais. C'était une jolie histoire. Ouais, quand même. Bon, on y va? Ouais. Despertaste, pájaro, no sé por qué.